chef de l'État. Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a félicité Son Excellence Monsieur Azali Assoumani. Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des questions abordées et ont promis de se concerter régulièrement. Au terme de sa visite d'amitié et de travail en République de Guinée, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement guinéen et singulièrement à Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya pour l'accueil fraternel et chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour en République de Guinée. C'est un grand honneur pour moi, un plaisir d'être parmi vous. Dans le cadre de la relation historique connue entre la Guinée et les Comores, il était tout à fait normal que je fasse cette visite ici. Mon cher frère, rassurez-vous, je suis venu ici pour vous apporter ma contribution d'une façon fraternelle et amicale. Je peux vous rassurer qu'en tant que président de l'Union africaine, on a beaucoup de défis à relever. Mais ces défis-là doivent être relevés par les pays africains. Maintenant, comme vous le savez tous, la zone de libre-échange du continent africain qu'on veut mettre en place consiste à unir l'Afrique sur le plan économique. Et ça, c'est une très belle destinée. C'est un bon challenge à prendre parce que, comme on connaît tous, l'Afrique regorge d'immenses potentialités. Et c'est pourquoi, effectivement, ce challenge-là économique qu'on doit mettre en place, mais on doit aussi s'occuper des problèmes sécuritaires, de façon à ce qu'il y ait la paix et la sécurité, de façon à ce qu'il y ait une façon de gérer nos pays, tous de façon à convaincre nos partenaires à venir dans nos pays.